Cette conférence, en fait, part d'un écrit que je viens de réaliser qui porte sur la violence et la non-violence, qui a pour titre « Quelques pistes pour la non-violence », va être édité bientôt. Et je profite de la publication dans Presenza, chapitre par chapitre, et des conférences pour recevoir les commentaires des gens qui participent ou qui lisent. Ça m'invite à transformer, à rajouter des paragraphes, à préciser les idées. Donc c'est une forme de travail vraiment intéressante. On va établir un dialogue avec les personnes et puis on va faire aussi, dans un atelier, des pratiques, des exercices pour voir comment on peut résister et comment on peut sortir du chemin de la violence, disons. Voilà. Et aujourd'hui, plus que la théorie, en fait, quand on a besoin d'expérimenter, donc l'atelier, par exemple, que l'on va faire aujourd'hui et demain, il y a un dialogue, comme je vous disais, mais aussi on va faire des techniques précises, des pratiques qui permettent de chacun de repartir chez lui déjà avec quelque chose de concret qu'il pourra mettre en exécution, s'il veut. Mais oui, tout à fait, hein, ça n'a pas de sens sinon autrement. Oui, c'est le sens de cette intervention. C'est aussi le sens du livre. Ce n'est pas un livre théorique, c'est une expérience, c'est la mienne et celle des gens avec qui j'ai fait des ateliers, mais c'est aussi le lecteur qui met sa part là-dedans. Et c'est la richesse de ce travail-là. Bien qu'on dit que la non-violence n'est pas une technique, c'est plutôt un regard, une façon d'être dans la vie, une direction. Ceci dit, ça s'apprend. La violence s'apprend, mais la non-violence aussi, ça s'apprend. Hein ? Parler de la violence, c'est une chose, mais c'est pas le but, c'est pas la violence. C'est s'en écarter et s'en libérer, évidemment. Et on ne parle pas suffisamment de la non-violence. Pourtant, c'est les deux faces d'une même pièce. Quand il y a violence, il y a systématiquement possibilité de non-violence. Mais ce n'est pas encore dans notre gymnastique mentale, malheureusement. Mais ça vient, ça vient. En attendant, on vit dans un monde hyper violent et là aussi, il faut quand même faire un travail sur la prise de conscience des dégâts que ça fait. Pas seulement le nucléaire, la violence économique, violence raciale, religieuse, mais aussi au niveau personnel, quoi. Ce que l'on vit dans ses tripes, dans son cœur, dans sa tête, quoi. Une question que surtout les intellectuels se posent aujourd'hui, c'est est-ce qu'il y a plus ou moins de violence qu'avant ? La vraie question, en réalité, c'est pas de savoir s'il y a plus ou moins de violence, c'est est-ce que la non-violence augmente ? C'est ça le point. Et on constate que les mouvements de masse, un peu dans tous les pays, la Birmanie avant-hier, la Tunisie, enfin Hong Kong, etc., tout ce qu'on a eu ces dernières années, montrent que, au-delà des thèmes de conflits conjoncturels, il y a quelque chose de beaucoup plus profond qui est derrière, qui est on veut, basta, on veut un autre monde, quoi. On veut vivre en paix, un peu, non ? Il y a cette aspiration qui donne de l'espoir, parce que c'est en train de changer, mais ceux qui gouvernent ne se rendent pas compte, j'ai l'impression. Mais ce n'est pas une guerre, hein, ce n'est pas un conflit, je pense que c'est dans le processus propre de l'espèce humaine, en quelque sorte. Et surtout, à travers des commentaires que je recueille dans les ateliers et puis sur le site web qu'on a créé, Observatoire de la non-violence, et c'est assez manifeste que quelque chose d'important se passe. Quelque chose de fond est en train d'arriver. C'est l'impression que j'ai. Et ça donne de l'espoir, effectivement.